Les gens, on se retrouve sur Uncharted 4. Donc, ce soir, on fera la campagne en live. Bon, là, je vais juste vous montrer les personnages. Comment est-ce qu'il faut les personnaliser, ainsi que les armes. Donc là, on a le héros, enfin les héros, Nathan. Donc est-ce que, enfin, on peut choisir Nathan, enfin Nathan Drake, cambrioleur ou chasseur de trésors. On va plutôt mettre ça. Voilà. En termes de chapeau, on va mettre celui-ci parce que cowboy, c'est cowboy, hein, bien entendu. Ensuite, cagoule, non, on met pas. Pas lunettes par contre. Est-ce que on peut mettre, non, on peut pas mettre des lunettes malheureusement. Alors provocation, retirer la provocation, provoquer avec un objet. Ah ouais, quand même. classique, joie merveilleuse. Ok, tenue prédéfinie. Ah ouais, non, quand même pas. Personnellement, je préfère la dangereux. Ça fait plus kiffant. Donc, là, vous voyez, on a boutique. J'ai 200 pièces en bas à droite. Et il faut gagner aussi des petits soleils. On va appeler ça comme ça, bleu, pour acheter des petits trucs, des coffres. Des points Uncharted, des lots, des coffrets d'armes, des héros, des lots, pack chic, pack diabolique, etc. Il y a un petit peu de tout. Donc, personnage, on a. Ah, personnellement, je préfère celle-ci. Mais bon, voilà. On l'a acheté, donc c'est ça va, c'est nickel. Alors là, il nous reste plus rien. Donc comment gagner des petites parties, c'est des petits sous, c'est en récupérant ce qu'on trouve par terre, en fait, dans les parties multi, que ça soit dans la campagne ou que ça soit dans la partie multi, c'est exactement pareil. Donc voilà. Alors pactage. Vous savez c'est quoi pactage? C'est pour personnaliser les armes. Donc on choisit le pistolet. On a celui-ci déjà. On peut ajouter achetable. Donc on peut prendre matériaux. Admettons la grenade. On va plutôt prendre le soin. Ainsi, on va pouvoir ajouter une complice, dont complice colo, ajouter un équipement mystique. Donc, l'équipement mystique, ce qui va nous servir de beaucoup de choses. Voilà, donc ça c'est bien, donc on va mettre ça. Ensuite, on va juste en choisir un autre, une arme lourde. Cette arme lourde là, elle va faire de gros dégâts. Et ensuite, une dernière petite capacité, dont coup de poing, marquage de cible, marquage de la cible, pardon. On va plutôt ça, parce qu'en ligne c'est beaucoup plus utile. Voilà, donc on va laisser comme ça. Donc voilà, c'était juste démonstration en multi. Je ferai une petite partie vite fait en vidéo si je peux, bien entendu, ou sinon on se voit ce soir les gens. Sur ce, à ce soir, likez, commentez, abonnez-vous, ça me ferait très très plaisir. Et n'oubliez pas que le live s'annonce très long ce soir. Sur ce, à ce soir.